Yep, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc voilà, je vous amène avec moi et Mathieu Kreis, mon poteau. On part en Espagne chez Leides, on va se faire un petit road trip pour échapper à ce mauvais temps. Ce temps de merde, voilà, on en a un peu marre de la flotte et avant qu'on soit reconfiné, on s'est dit qu'on allait profiter un petit peu. Ouais. Donc voilà, c'est parti, on a 4-5 heures de route, donc en avant. Allez. Bon, ça y est, on est en Espagne. On est quasiment arrivé, il nous reste 80 bornes. Comme vous pouvez le voir, il y a du soleil. Donc on est happy déjà. Plus qu'à rider, on va aller se poser tranquillement un peu, manger un morceau et puis on ira voir le spot cet après-midi sûrement. Yep, on y est, ça va être le premier jour de ride. La météo est juste ouf. Sébastien Westberg qui est en train de tester sa moto. Le Finlandais, on a Mike Fischner et Mathieu qui est par là. Mathieu, on va aller voir un petit peu où il en est. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas roulé. Matt, on va prendre tes impressions. Ah, les petites impressions, ben ouais, 2 mois depuis en France. Donc la chance de pouvoir être ici avec Julien sur le terrain de Leides. Et il va falloir s'y remettre quoi, un peu de stress. T'es chaud ou pas quand même? Ouais, chaud. On est là pour ça, on va se faire plaisir. Bon, de toute façon, on a rapproché la rampe pour qu'il puisse s'y remettre tranquille. Et après, on va reculer petit à petit. Et puis pareil, Mike, il doit tester ses suspensions. Yo, Mike! What up? All good? All good. Finally, we can ride. We have Seb here. Bon dia. Sebastian Westberg. Que pasa, amigo? Que pasa, amigo? Bien. So, just check his bike because he was here since a couple years. Year. 1 year. Sitting here. We got Ronnie Schumann coming here. Happy like never. Full of electricity. Electric guy. Yeah. Yo, Ronnie. What's up? Yeah, it's a normal day with Ronnie. Bon, du coup, pareil, petit check de la moto avant de rouler. On va foutre un petit peu d'essence pour être sûr quand même. Et puis c'est parti. Ouais, je lui fais une petite vidéo pour le vlog. Je pense qu'il la verra que quand il voudra faire les montages, il la verra pas avant. Et ouais, du coup, je vais vous présenter mon petit poulain là, Julien Manon. Je le coach, ça va, il progresse bien. Il était pas très bon au début, mais bon, ça s'améliore gentiment. Je pense que s'il se démerde bien, il arrivera à faire des spectacles et tout, lui, putain. Il va pas être mal. Bon, allez, je vous montre ça. De toute beauté. Yep, bon ça y est, première journée terminée ici sur le parc, on s'est régalé, on a eu 20 degrés, le terrain il est presque trop sec. Mathieu a bien roulé aussi, bonne reprise, qu'est-ce que ça va à dire? Très bonne reprise, ouais. Tout ce qu'il faut pour s'y remettre, je suis okay. Bien content. Arrivé là, il doit être à peu près à 16-17 mètres, donc demain sûrement on va essayer de l'amener à distance normale, 21. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non, mais on est là pour ça. Hein. On va le faire. Donc voilà, moi je suis content, j'ai bien roulé aussi. Oui. Les gars sont cool ici comme d'hab de toute façon, donc pas de prise de tête. Vivement d'être à demain, qu'on puisse profiter encore et j'espère faire travailler un petit peu les flip combo. Donc voilà, on verra. Bye. Attention. Le portier national, Mathieu. Il est venu pour ça. Hein. Yo, salut, bon on est là. On est revenu au parc, deuxième jour. Il fait encore plus beau qu'hier. Donc on va se régaler, je pense. On va Antonio Navas, qui est venu en avance, nous arroser la récepte. Comme ça, le spot, il est au top. Sébastien Westberg qui arrive.
Première fois qu'on voit Mike debout à cette heure-ci, c'est incroyable. Salut à tous, on est là, jour 3 sur le Ladies Park, toujours aussi beau. L'ami Mathieu, il en est à 18-19 mètres là sur la rampe. Je pense que cet après-midi, si tout va bien, on va pouvoir passer à 23. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on va tout faire pour là, on va le faire. Je pense qu'on va le faire reculer jusqu'à 21. 21,50 avec la rayon 8 maximum et après directement la rayon 9 à 23. Ça te sera calé, tu peux rouler à la maison en France. Ça va le faire. Bon, on va voir ça. Oh Mathieu, c'est le grand moment là. Ah, c'est le grand moment, hein. Déjà 23 mètres sur le dur, ça c'est fait. Maintenant, ouais. Plus qu'à flipper. T'es chaud ou t'es pas chaud? Je suis chaud, petite appréhension, mais chaud. Ouais, bon après tu fais ce qu'on te dit bêtement. Et tu verras, ça va bien se passer. T'es safe là, le bac à mousse est bien. On a du monde pour te sortir. La rampe est collée, donc il n'y a pas de raison. Il est là, le champion. Bon alors, plein d'émotions. Ouais. J'ai réussi à tourner un, je suis super content. Ça a été une journée de ouf, je pensais pas y arriver. Et super sensation. Je remercie Julien pour les conseils, franchement au top. Avec plaisir, avec plaisir, t'as pas à me remercier. Voilà. Non, je suis content parce que le plus dur c'était d'y aller. Et je sais que ça te stressait quand même, donc ouais. Bien joué. Aujourd'hui t'as sauté la rampe à 23. Et même si le flip c'est pas encore conquis, au moins tu y as été, t'en as tourné, hein. C'est ça. Maintenant il n'y a plus qu'à bosser, mais tu sais que le plus dur est fait. Ouais. Bien joué mec. Thanks. Petit sauna. Après l'effort, le réconfort. Sauna finlandais. Finnish sauna. Good one. Yeah, the wooden one. Sauna in Spain. Mark traveled around the world to know what's the real sauna, and then they built it with the boss.
Hey, bon, on y est, dernier jour de ride, on est vendredi, on va partir demain matin. On va essayer de profiter un maximum, là il est quoi, 10h, 11h, on va au terrain, on va rider un petit peu avant de manger et comme ça on profite à fond cet après-midi. Ils annoncent encore 20, 21 aujourd'hui donc ça va être vraiment cool. Je vous avoue que je pense que Mathieu c'est pareil, on est tous les deux KO parce que 4 jours de ride à la suite on n'a plus l'habitude avec l'hiver qu'on a à la maison. Mais ça fait du bien de progresser donc voilà, plutôt content. Bon Matt, ça dit quoi alors? Ben, ça dit qu'on est à la fin du trip là, bonne fatigue à moi, tu m'as bien poussé, je suis content de ce que j'ai fait. Franchement, ça a été une semaine au top pour évoluer dans de super conditions et avec des gars vraiment au top. Ouais, c'est ça qui est cool ici, c'est qu'il y a tout le temps des pilotes d'un petit peu partout. Il y a les Espagnols qui sont là, bien sûr, mais il y a aussi là, il y a un Suisse, il y a un Allemand. Aujourd'hui, il y a encore un autre pilote allemand qui est là, il y a un Finlandais. Donc il y a du monde et tout le monde est là pour passer des bons moments, donc on se régale. Aujourd'hui, du coup, t'as plus qu'à enfoncer le clou, là. On ressaute 23, tenter de refaire des flips et puis ben voilà, on partira avec un bon souvenir et en ayant bien profité, toi. C'est ça, aujourd'hui, on finit de valider tout ça et ça aurait été un bon séjour pour moi. Allez, ben jusqu'au prochain, on va profiter, dernier jour, avec le soleil. Bon, on est presque à la fin du trip. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit très 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 bon trip. Ouais. Fatigué sur la fin de la semaine là. Ouais, mais... je t'ai pas vu beaucoup rider là aujourd'hui. Non, aujourd'hui j'ai pas trop ridé. On va éviter les cascades pour aujourd'hui. Mais j'ai failli faire une cascade déjà. J'ai failli faire une cascade sur le SX. Là, j'ai voulu ouvrir le triple de la deuxième ligne. Et j'ai pas vraiment mis les gaz à fond. Je me suis mis un petit par l'avant. Chaleur. Et voilà, on s'est bien amusé déjà, donc à la cool. On va finir la journée sur les deux roues, profiter, regarder les autres à la mousse, et puis voilà, rentrer tranquillement demain matin. Yep Matt, alors cette journée? Alors cette journée, un peu fatigué, je vais pas ressauter les rampes à 23, mais j'ai fini la journée en ouvrant le transfert, je me suis régalé franchement. Je regrette pas du tout, et maintenant, quand est-ce qu'on revient, Julien? Alors, on va essayer de revenir bientôt, on va voir, parce que c'est vrai que le Covid, là, ça nous encule un petit peu la situation. Mais on va essayer de revenir vite, parce que franchement, c'est vrai qu'en une semaine, il y a déjà eu beaucoup de progrès, et c'est à refaire, quoi. Carrément. Yep, les gens, bon, ça y est, on est sur le retour, là. On a passé la frontière, on était un petit peu emmerdés avec leur test PCR de merde, là, mais bon, ça va. En faisant un petit peu de baratin, ça passe. Bon, pas de doute, hein, on est de retour en France. Welcome in France. On a déjà pris la pluie. C'est bien, on sait qu'on est en retour pour la maison là. Et ouais, fini le soleil, fini le bon ride. Donc bon, Matt il est content, il va pouvoir reprendre à bosser lundi. Ouais. Et puis
aura plu. On n'a pas forcément, je vous avoue, pensé à faire tout le temps des vidéos parce que on n'a pas vraiment tout le temps l'occasion de rider comme ça, donc on en a voulu en profiter au maximum du ride. Mais voilà, au moins vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe sur place. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire, vous m'envoyez un message, je vous réponds. Et si ça vous a plu, ben, vous faites tourner un max. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Mais attention. Ah, ah mais non. Ah mais non. Mathieu, il fait tout. Essuie-glace, le portier. Là, j'ai fait tout le ménage. C'est un petit peu mieux.